Et salut tout le monde, c'est GamerPGF et on se rejoint donc pour l'épisode 4 de Deadly Orbit, donc une autre petite série dans l'espace, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben on va encore voir de l'exploration, vous allez en bouffer de l'exploration. Prendre de ça. Ouais, ça va suffire. On va aussi aller vite fait récupérer l'arbre juste avant et puis on va continuer à farmer un tout petit peu, etc. Non, il n'est pas là l'arbre. Et quoi ici? Ok, il y a la sortie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai bien envie d'aller dans la 7 fusée, j'ai envie de voir ce qu'il y a en fait, tout simplement. Donc, je pense que qu'on va y aller tranquillement. Ah oui, avec les skins encore bien buggés, c'est toujours sympa, merci Mojang. C'est assez perturbant d'ailleurs, mais bon. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude de. Mais c'est pas très grave. Oui, je joue en play offline pour le coup, mais c'est bizarre. Je m'étais amusé un peu sur des serveurs, je décorais Eco Minecraft, et puis. Puis je vois play offline, je me suis dit dommage. On va pas user de ça, on va user de ça. Oui, on en aura 8, donc 19 en tout. On va prendre des blocs, enfin on va déjà sortir. Récupérer un peu de cobble, à part si on en a beaucoup. Non, on en a que 6, vous voyez. Et puis comme ça, on va aller donc où j'avais prévu. Tranquille. Donc oui, dans la fusée. Ça me paraît pas mal. J'ai bien envie de voir en fait de savoir ce qu'il y a dans cette fusée. Et donc voilà, donc on va juste en miner 20. Donc en tout, on en est 20. Allez, on va dire 30 en tout. Alors ça, c'est pas du tout opti. Est-ce qu'il y a moyen de creuser un trou ici? Voilà, là, ça sera déjà plus opti. Le trou. Bon, après, il y a des pertes comme d'habitude. Donc voilà, dès qu'on en a 30, on y va. J'espère toujours que cette petite série vous plaît. Autant que moi, j'aime bien la tourner, comme dit c'est une des séries que je préfère quasiment tourner. Après Redstonecraft et le Hunger Games, enfin bientôt Hunger Games, on verra. Mais pour l'instant, c'est la deuxième série que je préfère tourner. Je passe vraiment un bon moment dessus. Chaque jour, entre guillemets, ne se ressemble pas. Parce que là, il n'y a jamais de journée. Allez. 28. Donc là, c'est un peu le moment chiant. Par contre, faut y passer à ce moment. Voilà. Puis on va aller donc dans notre fusée qui se trouve par ailleurs ici. Alors, c'est peut-être plus judicieux de passer par ici, non? Non, on va passer par en haut. Ah, si on a une source d'eau. Le problème sera vite réglé. Est-ce qu'on a de l'eau d'ailleurs? Bonne question. On devrait pas avoir d'eau. On devrait pas avoir d'eau. Si on a, je vous dis pas non. Sinon faut y aller avec des blocs. Ok, alors non, viens. Ah, il a du punch hein, lui. Wouh! Swag. Oh, il est là, très bien. Maintenant tu me loues ton petit arc, non? Méchant. Oui, il a du punch hein, je le dis tout de suite. Allez. Oh mais on va y arriver, on va faire une course contre la montre. Tout de suite, parce que voilà, parce que YOLO. Non, parce que si un monstre qui tombe de là-haut qui vient sur les marches, on est un peu dans la merde. Ok, je me prends encore la porte, j'adore. Peut-être qu'il y avait un truc en dessous d'ailleurs. Non, il n'y avait rien. Imaginez. C'est un sacré bordel par contre par terre. Ce que je propose aussi, 30 secondes avant de partir, c'est d'aller faire pousser un peu de blé. Je pense avoir, pour tout vous dire, un peu plus de poudre d'eau. Pour nous faire du pain. Parce que les carottes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Alors. Donc comme dit, je m'occupe un peu moins des objectifs. Je préfère d'abord m'occuper de tout ce qui est découverte. Et par la suite, objectif. Hein. Donc je m'en excuse si vous aimez bien les objectifs. Et il y a aussi un autre truc. Bon, on va faire ça aujourd'hui, je vous avais promis. En fait, on va pas aller voir la fusée. On va aller voir ce qu'il y a là-haut.
Il y a maintenant d'ailleurs, fuck you. Non, parce que je pense pas que ça nous prenne longtemps. Ça se trouve, ça nous prend tout l'épisode. Bah oui, mais il me faut quand même de la bouffe. Y a du beau monde. J'avais éclairé pourtant. Hein. J'avais éclairé. Bon, on va dire que c'est pas grave. Alors, hop là, bonsoir. Ah oui, ça pousse. Oh non, je me suis fait. Je me suis fait arnaquer. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pensais que. Comment je peux expliquer? Que c'était de. Pas de la pumpkin, je pense pas. C'est de la merde en fait, hein. Il nous faut du melon, nous. Donc on va aller vite planter un melon. Quand même, s'il vous plaît. Non, on va pas le faire maintenant. Est-ce que j'ai de la bouffe qui traîne? Parce que là, la fusée, elle est à côté aussi. Non, faut faire par ordre. Je vous fais patienter, ça se trouve, on ira. Hein. Mais peut-être que oui, mais peut-être que non. Eh oui. Seul le destin nous le dira. Tu viens d'où, toi? T'es coquin. Il doit venir de. De là-haut. De la brèche du vaisseau. C'est pas très grave, hein. On y réparera dans quelques épisodes, s'il vous plaît. Ouais, quelques épisodes, ça me paraît bien. Ou peut-être celui-là, comme dit, ça dépend. Tout dépend. Hop là, y a ça qu'on va bouffer. C'est une bonne saturation. Ah, il nous faudrait des trucs là, parce que là, ça commence. Enfin, il nous faudrait une meilleure usine, hein. Là, ça devient un peu. Un peu chaud, on va dire. Donc je vais vite aller replanter, puis on va visiter ce qu'il y a là-haut alors. Parce que je vous l'avais promis, donc je suis pas un menteur quand même. Et si on a le temps, on ira visiter alors. Truc, sinon on ira visiter la fusée. Sinon on ira la visiter un autre jour. Ouais, je suis pas en PVP, je faisais ça, mais je suis pas en PVP. Ça sert strictement à rien pour le coup. Est-ce qu'il m'a donné le. Non. S'il m'a donné un os par chance, ça aurait été pas mal. Bon là je m'éloigne là. Enfin, c'est où déjà? Je sais plus où c'est. Ça doit être pas loin d'ici hein, normalement. Ah je suis paumé dans le vaisseau, what the fuck. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis bien monté, je passe là. Bon bah je suis littéralement paumé, je m'en excuse beaucoup mais je. Ici. Ouais, ça devrait être par ici. Voilà. Bon, finalement, on n'a pas fait de pause comme ça. Puis voilà. Allez. On va visiter ce que je vous avais promis. Oui, 70 coups, ça largement suffire. Au pire, on est à côté, hein. On va pas se plaindre. 70 coups, c'est énorme. On a le. Ah, quoi qu'il y en a. Pas tant que ça. Bon, on va voir. Tout cas, il y a l'air d'avoir du monde. Oui, la dernière fois, on avait vu aussi pas mal de villageois et tout. Oui, ça, c'était ma petite usine à XP, ça. Je sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, je vais peut-être. Ça dépend ce qu'il y a. Sinon, j'avais fait un truc dans le genre comme ça. Je sais même plus comment c'était, what? C'était là-dessus, voilà. Ça va plus vite à la main. J'attendais que ça tombe et puis. Bonsoir, bonsoir. Bah, il y a du monde, j'ai sûrement crevé. Et comme bien sûr j'ai pas pris de torche, ça respawn. Ok, j'ai fait un peu de la merde. Ah mais si j'avais des torches, mince. Ok, ça commence très bien. On va se débrouiller, vous inquiétez pas. Aussi j'ai été récupérer les trucs pour mettre les fours ici. Pas si vous avez vu. C'était là. On était passé ici, si, non? Même pas allumé ici, pas bien. J'ai pas. J'ai mal travaillé. Putain, j'étais passé où? Sérieux? Oh, mais je m'en rappelle même plus. Désolé. Je m'en rappelle plus du tout. Alors, j'étais passé, j'étais tout de suite en haut. Mais je vois plus où j'étais passé, sérieux.
Ah ok, je pense comprendre, mais ça va être très dur d'y retourner. Surtout sans... What? Ok, je vois où je suis passé finalement. What? Ok, je me suis complètement gouré de sang, c'est la merde. Ok, ouais, bah je vais encore recrever. Ok, cet épisode est complètement donc what the fuck. J'ai pas envie de me mettre en peaceful, mais mais bon. Ah, je vais juste me mettre. Ah ok. Voilà. Ok, j'étais en hard alors qu'il faut être en easy. Hein, j'ai envie de dire. Voilà. C'est en easy qu'il faut se mettre. Hein. C'est même recommandé par l'auteur, etc. C'est du easy. Hein. Donc je comprenais pourquoi j'avais un peu de mal. Bon, pas grave. Alors, on va vite faire une pioche avant les 5 minutes, nous, quand même. Voilà, oui, non, mais je... Je comprends mieux. Ok, c'est un petit fail. Bon, on a du fer, on va pas se plaindre, mais bon. C'est toujours mieux d'économiser. Alors, j'étais mort où, moi? Ouais, je comprenais pourquoi je comprenais pas comment pourquoi il y avait autant de mobs que ça. Maintenant je capte le délire. Alors, bien sûr, il n'y a plus mon stuff. Est-ce que c'était déjà ici que je suis mort? Ça reste à prouver. De toute façon, c'était même pas dans cette brèche ici. Hein. C'est la merde. C'était peut-être dans celle-là. Ouais, c'était dans celle-là. En plus, c'est pas elle que je voulais visiter techniquement. Voilà. Voilà, allez, respect, s'il vous plaît. Non, pas respect, on va passer ici. What? Bon, c'est pas grave. Donc là, ça va être un épisode complètement... Mob et fail, tout simplement, le titre, ça y est. Il est tout vu. Mob et fail. Mais j'ai pas ragé, vous inquiétez pas. Mais ça me saoule. J'étais relativement intelligent de faire un escalier. Ok. Bloc. Bloc. Alors. Non mais. La torche. On va reprendre quand même les anciennes. On va faire ça, ça. Alors. Et voilà. Je pourrais. Ah, il y a peut-être un objectif. Invocated the Wither, si la famille. Je comprendrai d'ailleurs. Je comprendrai totalement. Ok, en gros, il n'y a rien. Il y a des champis ici. Non, mais. Y a quoi là derrière? Un drapeau. Ouf! Un petit sursaut, je vous avoue. C'est l'épisode le plus failé du monde. Ok, rien de bien grave ici. Je vois pas ce que c'est cette brèche. Ah, c'est l'arbre, ok. Bon, on va quand même aller visiter notre fusée. Hein. Donc, à garder des torches quand même. Voilà, bah c'est un nul à chier ici. Il y a rien à voir. Il y a des champis, mais je n'ai pas envie de les utiliser. On va les laisser là. Ça me paraît pas mal. Ça vient d'où ça? Ça doit venir d'en haut ça. Bah non, il y a des carpettes, ça peut pas spawn. Vous êtes témoin qu'il y a un problème. On va mettre ça ici. Alors, on va vite encore vite fait fermer 2-3 torches, parce que là il y en a plus. Hein. Alors, je suis bien en easy. Ouais, ça... Alors. On va prendre tout ça, on va les mettre là-dedans, on va prendre un peu de charbon, on va faire ça. Ils sont où les sticks que j'avais tout à l'heure? Ah, il est failé cet épisode, c'est atroce. Ah, ils sont ici. En attendant, je vais me tuer. Avec mon merveilleux skin, j'ai envie de dire.
J'ai plus de coffre, c'est pour ça que je fais ça. Hop là, hop là. Voilà. J'ai plus de bouffe, hein, donc ça sert strictement à rien. Je vous avoue que je compte vraiment sur le... Sur la... Comment? Comment je peux dire? Sur la fusée. Pour avoir un peu de bouffe, parce que... Ça commence à faire... Enfin, il y en a... Enfin, la bouffe, c'est trop... Un peu mal géré. Mais ça, c'est quasiment toutes les maps. Elle part trop vite, c'est trop chiant. Alors... Eh bah ça a cuit mais c'est tout bon, bah écoutez-moi, ça commence très bien tout ça. Là. Bah on est parti mon kiki, allez go. Alors là on ressort à l'ISS. Excellent. Et donc pour sortir, donc c'est l'autre. Ça devrait être celle-là. Ouais, tout en bas. Si j'en suis... Si j'en suis la logique. On entend encore des... Des mobs. Non, alors c'est de l'autre côté. J'arrive pas à me repérer. Techniquement, c'est ici, hein. Mais là, c'est la sortie. La fusée, elle est où? Elle est de l'autre côté. Donc ouais, c'est l'autre, mais... Mais c'est failé, encore une fois. Mais c'est celui-là en face. Donc techniquement... What? Ça, c'est moi. Voilà. Ça nous fera une petite usine à XP comme ça. Allez, venez, venez. Ah, vous voulez plus? Attendez, essayez? Non. On va y aller parce que je dis qu'on y va, on n'y va pas, quoi. Ici. Non, non, mais là, on s'éloigne. Hein. Attendez, la fusée, elle est où? Elle est là, nous, faut qu'on aille en bas ici. Ok, je vous avoue que je suis un peu perdu dans cette ISS. International Space Station Spatial ou un truc comme mon genre en tout cas. Donc on va redescendre, hein, écoutez. Je t'avais vu toi. On va juste bouffer ça. Je sais que c'est pas bien, mais pour au moins régène le 0,5 heures. Alors, on va y aller doucement. Y a pas de jour, hein, donc dites pas dors. Ou c'est buggé parce que moi à chaque fois que je dors ça me remet la nuit. Donc voilà quoi, j'ai envie de dire, ne me dites pas que... De le faire alors que ça ne marche pas. Tester avant de dire. Puis voilà, prends ça à 3 dans la fusée. On verra ce qui se passe au prochain épisode. D'ailleurs elle est très bien réalisée, soit dit en passant. Bonsoir. Hop là, on débarrasse un peu le continent. Et maintenant, faudra faire un puits. Ah merde, j'aurais dû utiliser des demi-dalles. Ça aurait été en plus 10 fois plus logique. Enfin, le continent d'un sens, je dis, on va débarrasser du continent, mais en même temps, faut comprendre que le continent... Enfin, il n'y en a pas vraiment, pour le coup. C'est pas grave. Alors. Alors. C'est ici. On va le faire en mode colimaçon. Mais je le fais exprès ou bien? Mettre en mode colimaçon. Ici, on va pas se gourer. Je m'approche un peu de l'ordi là parce que sinon je vois rien. Hop là. Voilà. Et non, ça c'était pas prévu du tout. Et puis en cette statue, qu'est-ce qui va se passer? Et bah vous le saurez au prochain épisode. Allez, ciao les amis!